Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024. Il est 17h et j'ouvre la 17e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 dont le thème aujourd'hui est Adam et Ève. Je rappelle à toutes fins utiles que les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres transmises noir sur blanc, à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre Zen. Il ne s'agit pas de télépathie ni de canalisation. Conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, donc voilà 8 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui les deux versions, la version terrestre d'Adam et Ève, puis la version extraterrestre, pour que vous puissiez voir les différences et avoir votre propre opinion. Voici d'abord le résumé très simplifié de l'histoire d'Adam et Ève sur Terre. Cette histoire est présente à la fois dans le judaïsme, l'islam et le catholicisme, avec des similitudes et des différences. Dans le judaïsme, l'histoire d'Adam et Ève se trouve dans le livre de la Genèse comme elle est dans la Bible. Adam est considéré comme le premier homme et le père de toute l'humanité. Comme dans la tradition chrétienne, Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden et ont reçu l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Dans l'islam, Adam est considéré comme le premier être humain ainsi que le premier prophète de l'islam. L'histoire d'Adam et Ève varie légèrement par rapport aux religions abrahamiques tout en conservant certaines similitudes. Dans le Coran, avant la création d'Adam, il avait déjà été décidé par Allah que l'humanité serait placée sur la terre. Adam et Ève, connus sous le nom de Hawa dans la tradition islamique, ont également été testés dans le paradis et ont été envoyés sur terre après avoir désobéi à Allah. Il est important de noter que bien que les histoires soient similaires, il y a des différences dans les détails et les interprétations entre les trois religions. Par exemple, l'islam rejette l'idée que les femmes soient des tentatrices méchantes ou maudites avec le fardeau de la menstruation et la douleur de l'accouchement en raison du péché d'Ève. Pour ce qui concerne la création d'Ève, dans le judaïsme et le christianisme, Ève est créée à partir d'une côte d'Adam. Cependant, dans l'islam, certains hadiths mentionnent qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, le Coran lui-même ne spécifie pas comment Ève l'a été. La notion du serpent. Dans le judaïsme et le christianisme, un serpent est souvent interprété comme Satan, qui tente Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Dans l'islam, il est mentionné que c'est Satan, Iblis, qui tente Adam et Ève. La faute. Dans le christianisme, Ève est souvent blâmée pour avoir succombé à la tentation et pour avoir entraîné Adam dans son péché. Cependant, dans le judaïsme et l'islam, la faute est généralement partagée entre Adam et Ève, qui sont tenus pour responsables de leur propre péché. Le péché originel.
le christianisme a introduit le concept de péché originel, qui est la croyance que tous les êtres humains héritent du péché d'Adam et Ève. Ni le judaïsme ni l'islam n'adhèrent à cette croyance. Dans le judaïsme et l'islam, les gens naissent libres de péché et sont responsables de leurs propres actions. Le pardon. Dans l'islam, après que Adam et Ève aient commis le péché, ils se sont repentis et Allah les a pardonnés. Cela contraste avec le récit biblique où Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Comme vous le voyez, il existe de nombreuses similitudes entre les trois récits, notamment la création d'Adam et Ève par Dieu, leur vie dans le jardin d'Éden et leur tentation par le mal qui conduit à leur chute. Voici maintenant la version extraterrestre de cette histoire qui me fut racontée par mes contacts extraterrestres. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'on parle d'Adam, il ne s'agit pas d'une personne, mais d'un groupe de personnes qui est devenu la race adamique. Adam, le premier homme, est le premier lyrien capturé et rendu esclave par la lignée reptilienne. La race adamique sont un groupe d'esclaves lyriens sous le contrôle des reptiliens qui se sont reproduits et qui forment notre société actuelle. Ce sont nos ancêtres. Mais il y a une particularité. Il y a environ 1 million d'années terrestres, une force reptilienne a envahi le système stellaire Véga et les planètes Avalon et Lyra sur lesquelles vivaient des races d'êtres humains qui nous ressemblent. Comme ils vivaient tous en paix, ils n'avaient pas de système de défense et n'utilisaient pas d'armes. Lorsque la puissance reptilienne les envahit, ils finirent par quitter leur planète et fuir par petits groupes. Ils sont allés se cacher dans tous les coins possibles de ce secteur de la galaxie. Ce moment est connu sous le nom de grande expansion de la Lyre ou simplement la grande expansion. D'innombrables mondes ont été ensemencés avec des humains, par exemple les Terriens, les Pléiades, Humo. Les forces reptiliennes ont continué à chasser les humains presque jusqu'au bord de l'extinction. La Fédération galactique est née de cette volonté de survivre. Elle est composée de milliers d'espèces, mais elle a été créée au départ par des espèces humanoïdes comme moyen de se défendre contre l'invasion reptilienne dans ce cadran de l'espace et contre l'extinction totale. Car certaines planètes avec des humanoïdes de type lyrien ont été ou avaient été tellement dévastées par les forces reptiliennes qu'il ne restait qu'une poignée d'individus. Une colonie lyrienne s'était donc installée sur Terre et vivait en paix au sein d'une société holistique et holographique avancée. Il y avait aussi à cette époque d'autres espèces d'humains, les proto-humains, qui avaient été implantés par les Étortans avant que les Lyriens de l'espace n'arrivent. Les premiers humains de Lyra ont débarqué sur la planète il y a environ 40 000 ans et ils vivaient en paix avec des espèces d'humains plus anciennes comme les hommes de Néandertal. Les forces reptiliennes qui avaient créé leur colonie appelée Atlantide, dont la capitale était Atlantis, massacraient les adultes lyriens et pléiadiens qui leur servaient à la fois d'esclaves et de garde-manger. Ceux qui avaient été gardés vivants ont été réduits en esclavage et leurs enfants ont été laissés vivants pour commencer une nouvelle race d'esclaves, la race adamique. Un Adam fait référence à un lyrien ou à un pléiadien capturé par les forces reptiliennes est devenu esclave. Les enfants des esclaves lyriens et pléiadiens ont été séparés des adultes, les nouveau-nés de leur mère à la naissance, puis ils ont été endoctrinés
grâce aux enseignements des reptiliens, puis ils furent génétiquement modifiés. Il y a environ 15 000 ans, au cours de l'épanouissement et de l'expansion de la civilisation de l'Atlantide, les reptiliens ont commencé à faire des expérimentations génétiques sur leurs esclaves lyriens. Leur objectif était de les rendre plus dociles pour éviter les révoltes résultant de l'oppression qu'ils subissaient. Ils avaient créé un camp protégé pour les esclaves qu'ils avaient appelé Éden. C'était un camp contrôlé par l'Atlantide, où ils pouvaient transformer génétiquement un premier groupe d'esclaves et analyser comment leur nouvelle race, créée artificiellement, se développait. Si un camp Éden ne fonctionnait pas, ils le détruisaient et en commençaient un autre ailleurs, car il était d'importance que les contrôleurs ne soient pas démasqués. Ils voulaient maintenir une illusion de liberté dans l'esprit des esclaves. Ils leur faisaient croire, par exemple, qu'ils sont les seuls dans l'univers et qu'ils devaient obéir aux dieux, les amenant ainsi à coopérer de leur plein gré, comme ils le font encore de nos jours. L'un des plus grands camps de rassemblement des Lyriens et Pléiadiens esclaves, où l'une des expériences génétiques les plus importantes a été menée, se trouvait dans ce qui est aujourd'hui la région de la Turquie. Les Lyriens ont été contraints de vivre dans des villes souterraines, sous le contrôle des reptiles, et on leur disait que c'était la façon traditionnelle des Adams de la race adamique de vivre. Ils créaient dans l'esprit des Adams l'idée que vivre de cette manière sous terre était la meilleure option pour eux. C'est pourquoi les archéologues eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ni comment ils ont créé ces villes souterraines dotées d'une ventilation étonnamment bonne malgré la profondeur. Cela ne correspond pas à leur concept des capacités des habitants néolithiques, mais les archéologues même modernes n'envisagent pas une seule seconde que ces villes souterraines aient pu être créées par des reptiliens dotés d'une technologie très avancée dont l'intention était d'y placer leur ferme humaine. Dans ces camps, il y avait des laboratoires où les contrôleurs essayaient de modifier les Lyriens en changeant leur ADN. Mais cela n'a pas fonctionné comme ils l'avaient espéré. Les Lyriens avait un lien étroit avec la source, c'est-à-dire profondément soi-même, et tous les changements produits dans le laboratoire, au bout d'un certain temps, reprenaient leur structure d'origine, ce qui fait que les transformations reptiliennes ne duraient pas et n'étaient pas permanentes comme ils l'avaient espéré. Ainsi, les contrôleurs reptiliens de l'Atlantide furent obligés et ont décidé de mettre en place la transformation génétique au moyen du contrôle mental, car ce qu'ils voulaient réaliser ne l'était pas avec un tube à essai en laboratoire. Ils ont donc commencé à utiliser le contrôle mental pour orienter les esclaves lyriens et la race adamique à modifier eux-mêmes leur ADN en utilisant des systèmes de croyances, c'est-à-dire les diverses religions et autres programmes qui existent encore de nos jours. De nombreux adultes ont été sacrifiés pour ne laisser que les enfants plus malléables, pour commencer le nouveau groupe adamique. Les bébés étaient séparés de leur mère à la naissance et donnés à d'autres adultes choisis comme maîtres qui les élevaient et les endoctrinaient avec l'enseignement reptilien, leur inculquant d'autres valeurs, d'autres idées, les forçant à supprimer leur qualité d'intelligence supérieure et leur connexion au champ éthérique. C'est-à-dire qu'ils les rendaient dépendants d'eux, les créateurs, en tant que Dieu, afin que les humains lyriens ne puissent pas s'opposer à leur exploitation et qu'ils se soumettent à Dieu.
L'objectif était le même, éloigner les esclaves de leur connexion à la source, donc au soi profond intérieur, et les orienter subtilement pour modifier leur propre ADN. Petit à petit, l'esprit des enfants a changé et ils supprimaient les qualités dont les contrôleurs ne voulaient pas. Les contrôleurs insistaient sur le fait que les transformés ne se souviendraient pas de qui ils sont vraiment, avec des aspects comme l'obéissance et une faible intelligence, c'est-à-dire que les colonies de l'Atlantide les ont limités mentalement afin qu'ils croient en un monde déterministe et matériel et pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils avaient en fait les mêmes qualités créatrices que leurs oppresseurs. Passons à la colonie sur la base sur Océana qui s'étendait, se développait, formant une civilisation entière, la Lémurie. Donc il y avait l'Atlantide d'un côté et la Lémurie de l'autre. Une civilisation composée de Lyriens séparatistes qui étaient originaires, enfin qui avaient passé une partie de leur vie sur l'Atlantide, avec l'intention de devenir une résistance pour affronter la tyrannie des reptiliens et libérer les esclaves. Leur société était holistique, matriarcale, comme c'est souvent le cas chez les Lyriens, et influencée par d'autres races pléiadiennes, telles que les Solaciens, les Tégètes et plus tard aussi les Angans, toutes présentes dans la colonie de la Lémurie. Donc, des Lyriens qui avaient réussi à s'échapper des camps d'emprisonnement, les jardins d'Éden, les camps de prisonniers d'Éden avaient rejoint la colonie de la Lémurie. La colonie formait une civilisation entière, composée de Lyriens séparatistes, qui nourrissaient l'idée de devenir une force de résistance pour affronter les reptiliens. Les contrôleurs n'avaient pas réussi à réprimer leur intellect et leurs souvenirs en totalité. Ils savaient qu'ils étaient libres en Lémurie et c'est pourquoi ils s'étaient échappés de l'Atlantide. Ces Lyriens, les reptiliens, les ont appelés des Eva, des Ève. Donc c'était la lignée adamique et la lignée des Évenites. La Lémurie se développait avec l'aide des sociétés matriarcales interstellaires dirigées par des femmes, telles que les différentes lignées d'Élohim de plusieurs systèmes stellaires des Pléiades et de la constellation du Triangle. Ces femmes furent appelées des serpents par les reptiliens. Le serpent, non pas parce qu'elles l'étaient, mais parce que le serpent ne représente pas les reptiliens. Les anciens reptiliens utilisaient le serpent comme symbole de la femme pour représenter la femme, en raison de sa similitude avec la spirale d'ADN. Mais le serpent, c'est aussi la sagesse, et c'est pourquoi il est utilisé dans le caducée d'Hermès comme symbole de la médecine et de l'ADN. Mais il ressemble aussi à un vaisseau spatial sortant du Soleil. Par exemple, le serpent à plumes Quetzalcoatl représente un navire en vol atmosphérique. Ce groupe des Eva, des Ève, est composé à la fois d'hommes et de femmes de la lignée lyrienne et pléiadienne qui étaient dotés de connaissances scientifiques, mathématiques, cosmiques et spirituelles. Ces groupes étaient dirigés par des femmes, comme c'est toujours le cas actuellement. Ces connaissances qu'avait la colonie de la Lémurie était le fruit défendu, que les reptiliens ne voulaient absolument pas que leurs esclaves restés dans les camps d'Éden de l'Atlantide reçoivent. Les Adam et les Ève étaient originaires des mêmes lignées lyriennes et pléiadiennes du côté de l'Atlantide et de la Lémurie. La seule différence était leur mentalité, leur intelligence. D'un côté, l'intelligence avait été limitée et ils étaient dociles et endoctrinés, et de l'autre, ils étaient libres avec des connaissances avancées. En revenant
au contrôle mental imposé à cette époque, il y eut d'abord les tablettes sumériennes, puis l'Ancien Testament et plus tard le Nouveau Testament, ainsi que d'autres variantes religieuses. Et ils contiennent des histoires adaptées pour inclure les païens, les gnostiques, celtiques, druidiques, y compris des événements qui se sont produits en Égypte et à Sumer, modifiés et ajustés à la compréhension limitée des Adamites, des Adams. Ce ne sont ni plus ni moins que les données des contrôleurs ont imposées aux populations de l'époque comme des vérités absolues, des règles à suivre ou le concept de souffrance pour se libérer et pour quiconque ne suivrait pas les règles. Mais lorsque vous lisez entre les lignes, vous constaterez que rien n'a changé. C'est la même structure de nos jours, la même formule et les mêmes programmes. Les humains vivant dans l'Éden étaient des esclaves qui l'ignoraient. Le fait d'être nus dans le camp d'Éden signifiait vraiment qu'ils ne pouvaient pas se défendre, qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour être autonomes. Nus, sans connaissance de soi, sans le pouvoir de réaliser qui ils sont. Mais ce qui s'est produit, c'est que les Èves sont arrivées pour les aider, les former aux connaissances qu'ils avaient oubliées et qui leur faisaient défaut parce qu'ils avaient été programmés depuis leur naissance. Elles leur ont donné le fruit défendu. Question de Maria. Leur camp principal était à peu près où se trouve la Turquie aujourd'hui. Mais la Lémurie, est-ce qu'elle est, vu qu'elle était aussi, faisait aussi partie de l'Atlantide, où est-ce qu'elle pourrait se situer aujourd'hui sur nos terres? En Turquie, c'était l'un des plus grands jardins d'Éden. La Lémurie se trouvait sur un continent qui s'appelait l'Océanie, qui est plus du côté du Japon, de la Mongolie, une partie de la Chine qui a été submergée tout autant que l'Atlantide après que la Terre ait reçu toute l'eau de Tiamat. Question de Irina. Par écrit. Y a-t-il une connexion entre les populations natives des USA, Canada, etc., et les Èves et les Lyriens? L'Atlantide se situait du côté des USA. Les Adans et les Èves étaient tous les deux d'origine lyrienne. Les Adans étaient les esclaves qui avaient été recueillis ou attrapés par les forces reptiliennes, qui les ont donc mis dans un jardin d'Éden. De l'autre côté, il y avait une partie des Lyriens qui avaient réussi à s'échapper de ce camp spécifique où ils avaient été emprisonnés, qui se sont échappés et qui sont allés dans la colonie de la Lémurie pour rejoindre d'autres Lyriens qui, eux, n'avaient pas été transformés. Et petit à petit, cette colonie de la Lémurie a essayé de libérer et est toujours en train d'essayer de libérer les esclaves de la race adamique. Donc d'un côté, c'était les Adans dans les camps réservés aux esclaves lyriens, il y avait des hommes et des femmes, et de l'autre côté, en Lémurie, c'était une colonie de Lyriens et de Pléiadiens également, mais qui avaient gardé toute leur intelligence, toute leur connaissance.